Une assignation à résidence? Ça va trop loin. Je désapprouve, Roxiane. Merci, Votre Majesté, c'est bien plus que je n'en ai. Je ne succéderai jamais à mon père. Et maintenant... Je respecte le sang royal qui... Ne sois pas bête. Les gens vont te prendre pour un dissident qui veut... Merci d'être venu me voir, vous êtes toujours... Tu m'as enseigné les rudiments de la magie. Je ne comprends pas, Roxiane. Je crois que... Ça me révolte, Gongora. Toute notre nation a tiré profit de l'énergie magique. Si le Grand Sceptre nous fournit davantage d'énergie magique, la vie... Nous n'aurons plus besoin de soldats. Toi, tu penses à l'avenir de... Je suis désolé de m'être emporté. Ne soyez pas désolé, je... Mais même s'il stoppe le projet du Grand Sceptre, nous... N'hésite pas à faire appel à moi, Gong. Je n'en suis pas digne. S'il vous plaît, veuillez entrer. Cette femme... Comment a-t-elle pu être à Ura sans que je le sache? Bien, tu es là. Je t'ai fait venir pour une raison précise. Une seconde. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, oh non, enlève-la. Hé, oh là, oh là, oh, 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 t'énerve pas comme ça, et j'ai pas d'épée, d'accord, ça se voit? Du calme! Qu'est-ce que tu fais là?
Bah, je te l'ai dit, quoi, je suis qu'un messager. Je suis venu vérifier si t'étais là ou pas. Et t'es là, bah, c'est parfait. Ça suffit, Caïm. Il est de notre côté. Merci, il était temps. Il peut nous servir. Il est rusé et vif. Et il a beaucoup de relations. Je veux que tu l'emmènes au Grand Sceptre pour tes investigations. C'est hors de question. Ah, je savais bien qu'il refuserait. Problème. Écoute, cette autre immortelle qui t'accompagne dans cette enquête, elle peut être dangereuse. Pourquoi ? Cette femme est une ancienne pirate. J'ignore comment c'est arrivé, mais elle a rejoint notre armée. Enfin, le passé est le passé, mais je ne sais rien d'autre sur elle. Emmène Jansen avec toi. Il t'aidera à la surveiller. Quels que soient ses défauts, ce vaurien a énormément de respect pour les femmes. Ah, au fait, il paraît que c'était une très belle femme. Vous l'avez déjà vue ? Ok, ok, laisse tomber. Oh là là, qu'est-ce que vous êtes sérieux tous les deux ? Pirate. Très bien, j'ai compris. Bien, bien, pas de problème, je serai à l'heure. Ouais, ouais, promis juré. Ne l'oublie pas, Caïm. Je ne peux me fier qu'à toi. Je suis coincé ici pour l'instant. Le Grand Sceptre est l'œuvre de ma vie. Alors s'il y a un problème, je veux que tu utilises tes pouvoirs d'immortel pour découvrir ce que c'est. Tu m'as bien compris. Tu auras tes instructions plus tard. Tu peux y aller. Oh, par devant, je te rejoins. Bye bye. Ça va être dur de bosser avec lui. Voici pour le dérangement. Waouh, pas mal. En fait, Seigneur, je crois que travailler avec ce gars, ça va pas vraiment être du gâteau. Vous avez vu ses yeux? Ils sont terrifiants. J'ai un mauvais pressentiment à propos de tout ça. Il va falloir me donner un peu plus que cette petite garantie, si vous voulez que je le surveille. Il faudra me donner un peu plus, vous voyez ce que je veux dire. Tu es sous contrat magique. Ne sois pas trop gourmand. Waouh ! Oh ouais, oh ouais, d'accord, 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 l'ami. C'est un super gris-gris, d'accord, du calme. As-tu encore des revendications ? Wow, c'est pas drôle, hein ? Je rigole pas, ok ? J'ai quand même pas pris tous ces risques pour ça, ok ? Tiens, tout m'énerve. Je vais prendre un bain. Ça fait un moment que je te cherche partout. J'ai entendu parler de l'enquête au Grand Sceptre. On a décroché le gros lot tous les deux. Ça ne suffit pas qu'on soit immortel, hein ? Ça ! On nous demande toujours plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au Conseil ? Ça ne te regarde pas.
Hein, vraiment? Dis-moi, on s'est pas déjà rencontrés quelque part? C'est pas important si t'as tout oublié. C'est pareil pour moi. Toi aussi, hein? Je me souviens de rien. Je sais seulement que je m'appelle Sati Balmor. Oh, il paraîtrait que je suis une pirate. C'est quand même bizarre qu'on soit tous les deux amnésiques et immortels. J'ai l'impression qu'on s'est déjà rencontrés avant. J'ai cette impression en te regardant. Quand on s'est rencontrés, on était ennemis. Ou alliés. Ou peut-être même... amants. Alors, tu es prêt pour notre voyage de demain, Caïm Argonard? Demain? Comme ça, le Conseil ne t'a pas encore contacté. Tu pars pour le Grand Sceptre demain matin. Je croyais que tu étais au courant. Oh, au fait, moi aussi je fais partie de ce petit voyage. Alors tu m'accompagnes, hein? Tu as intérêt à être pile à l'heure.
aujourd'hui que les défilés prévus pour la prochaine cérémonie anniversaire de la transition du Conseil de Hurin n'auront pas lieu. Et que la cérémonie se déroulera dans la résidence royale. Cette décision a été prise par égard pour ceux qui ont perdu des êtres chers dans la tragédie. Qu'est-ce qu'on attend? On devrait déjà être en route. J'attends quelqu'un. Quoi? Qui? Quelqu'un qui nous accompagne. Hein? J'étais pas au courant. Moi si. Qu'est-ce que c'est? Ce serait pas lui, l'autre gars? Si. Waouh, dis donc, quelle femme, les amis. J'ai un sacré bol, moi. Il pue l'alcool. Tu es en retard. Bah, tu comprends pas ou quoi? Un homme a des affaires à régler avant de partir pour une telle mission. C'est ce que j'ai fait. Quel crétin. Reviens, Louis. Merci, mes trésors. Votre Jensen va au-devant d'une mort certaine. Ouais. Oh, Jensen. Et... reviens-nous vite. On garde une bouteille au frais. Oh, c'est adorable. Je sais. Dites pas ça, c'est trop gentil. Oh, vous me manquez déjà. Oh, les filles. Oh. Hey, je peux avoir un quart d'heure de plus. 15 pour elle. Et voilà. Et c'est trois quarts d'heure. On n'a pas que ça à faire, espèce d'ivrogne. Oh, mais ça, c'est pas gentil. Et vous, pauvre gourde, vous savez quoi? Vous feriez mieux de partir. Merci de nous l'avoir amené. Merci. Oh, vous êtes adorable. Viens jouer avec nous la prochaine fois, chérie. Plus on est fou. Hé, me touchez pas. Partez. Allez, du balai. Oh là là, c'est pas gentil, mais alors pas gentil du tout. Bye bye, les filles. Je reviendrai, va. Oh là là. Génial. Juste ce qu'il fallait. Un bon arrière. Hey, c'est vraiment pas gentil, hein. Je te serai utile, compte sur moi. Comptez sur toi, hein. Oh. Non, t'as l'air en colère. Et c'est quoi ton problème? Oh, bien. Vous êtes prêts?
du calme, tu dois juste les suivre, comme pour une marche funèbre. Hey, on passe par là, t'es sûr? Mais y a pas de route. Reprends-toi un peu. Si t'es déjà fatigué, on est vraiment mal. Ah, je me fatigue jamais, Oli. Après avoir traversé cette région, on arrivera à la chaîne Ypsilon. Ces montagnes sont très escarpées. La météo y est imprévisible. Et comme le sol est instable, il faudra faire attention aux éboulements. Bien sûr, je suppose que tu tomberas avant même que le moindre rocher ne se décroche. Ah, ouais, très drôle. Gongora m'a dit que t'avais un petit problème de perte de mémoire, c'est ça? Mais t'as l'air de bien connaître ces montagnes. Et puis, souviens-toi de t'épiler les jambes tous les jours et les sourcils, hein. Et souviens-toi aussi que tu me dois de l'argent. Oh, je suis désolé. Mais tu te souviens vraiment de rien? Mon corps se souvient. Quoi? À une époque, je fréquentais cette région. J'étais pirate. Et je suppose que j'ai aussi traversé ces montagnes. Mais j'ignore la vérité. Je n'ai pas la moindre réponse. Ah. Oh. Et toi? Quelqu'un t'a déjà parlé de ton passé? Non. Rien? Rien. Enfin, comme tu es si joyeux et si gai, je doute qu'on se souvienne de toi. Ça me convient tout à fait. Ah? Mon corps aussi s'en souvient. De quoi? Uniquement de la douleur. Si jamais je retrouve la mémoire et que je découvre un passé sombre, alors à mon avis, mieux vaut n'avoir aucun souvenir. Ah ouais? Bah, vu comme ça... Kaïm, essaie d'être patient. Tes souvenirs reviendront avec le temps. Et il y en a aussi des bons. Quoi? Pas de pause? On vient de la faire. Hé, je pourrais avoir un verre d'eau? Ou un petit jus de fruits? Hein? Ou aussi un massage de pied? Hé, Kaïm, c'est toi qui te parle? Hé, oh! We'll be right back.
on y va! Thank you.